C'est bon. Tu comprends? Le téléphone, tu peux mettre ton doigt comme ça, c'est bien. Ok. Maintenant, tu peux le faire. Ouais. Ok, non, j'ai rien installé là, moi. Mais là, je change de l'été. Hein. Non, non, non. Tourne, on voit. Tourne, tourne. Montre. Ça va? Ouais. C'est bon, là? Ok. Pardon. S'il vous plaît, je peux passer, je vais un peu m'agenouiller. Non, vous allez me déranger. Mesdames et messieurs, comme annoncé, s'il vous plaît, nous y sommes déjà. M'agenouiller, là. Donc la conférence de presse débute déjà. Nous vous prions de bien vouloir mettre vos téléphones sous modifieur. Nous vous demandons également d'être clair et précis dans vos questions et que la conférence n'aura que 1h30. Avec votre permission, président élu, vous avez la parole. Bonjour, messieurs et mesdames de la presse. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des malades. J'aimerais qu'on puisse avoir une pensée à l'égard et à l'emploi de nos frères et sœurs partout dans le monde qui sont dans les hôpitaux, qui sont malades, et surtout ici au Congo, où il n'y a pas de moyens. Il n'y a pas de moyens pour
va dire, guérir ces malades. Mais vraiment, pour eux, qu'on puisse avoir une pensée et prier pour qu'ils soient rétablis. Surtout ceux qui souffrent de la COVID-19 et qui soient guéris. C'est une grippe très dangereuse et qui soient guéris. Merci. Je me tiens devant vous ici pour qu'on puisse ensemble se poser quelques questions. Où va la RDC? Qu'est-ce qui se passe en RDC aujourd'hui? Dites-moi, depuis l'annonce des résultats chaotiques, des résultats fabriqués, des élections du 30 décembre 2018, qu'est-ce qui se passe en RDC? Et moi j'ai dit que le pays va à volo. Et donc, vous êtes, mesdames et messieurs de la presse, vous avez certainement beaucoup de questions sur ce qui se passe. Vous allez les poser. Mais moi, je voulais qu'on tourne autour des points suivants. La situation sécuritaire. Apparemment, il se pose un problème de volume. On a tué à l'Est. Beaucoup veulent voler. On s'en moue avec la question des minimums. Je voulais qu'on parle des droits de l'homme. Il y a des rapports qui sortent que la situation des droits de l'homme au Congo est catastrophique. Il y a un jeune homme qui s'appelle Idengo, qui a chanté une chanson que tout le monde admire, politicien escroc. Est-ce que les politiciens congolais ne sont-ils pas des escrocs? Et ce jeune homme-là aujourd'hui est en prison. Pourquoi? Et d'autres situations des droits de l'homme. Nos enfants ne vont plus à l'école. Nos enfants ne vont plus à l'école. Nos enfants ne vont plus à l'école. Qu'est-ce qui se passe réellement? Pourquoi ne vont-ils pas à l'école? La COVID-19, mais tous les bars sont ouverts. La COVID-19, mais l'UNICEF va tirer un cri d'alarme. Les enfants sont mieux protégés quand ils sont à l'école. Mais pourquoi ils ne vont pas à l'école? On a peur des enseignants qui vont aller en grève. On a peur parce qu'on ne peut pas soutenir la gratuité de l'enseignement. Il faut qu'on nous dise qu'est-ce qui se passe exactement. Et bien sûr, parlons de la pandémie, la COVID-19, la prise en charge est faite comment? Les ménages sont-ils aidés? Les entreprises sont-elles aidées? Comment ça se passe? Vous pouvez comparer avec d'autres pays africains, je parle bien des pays africains. Qu'est-ce qui se passe? On a commandé des vaccins? Qu'est-ce que nous disons par rapport à cette pandémie? Et aussi la situation du peuple, la misère, la situation économique et sociale, la misère de la population. Pendant ce temps-là, je crois que mon équipe a préparé un élément où vous allez entendre M. Mbosso parler de la corruption à ciel ouvert. Parler de la corruption qui a élu domicile dans ces pays. Et enfin, je voulais qu'on parle des violations systématiques, des violations répétées de la Constitution, des violations des lois de la République, des violations des règlements par M. Félix Tshisekedi et ses amis. Donc, voilà les canevas. Vous aurez certainement d'autres questions. Et je suis là pour répondre. Merci. Et à vous. Et si vous levez les doigts, moi-même, j'ai choisirai un à un, poser la question courte, et je vais faire aussi un effort pour donner des réponses courtes. Merci. On peut balancer l'élément, s'il vous plaît, d'abord. S'il vous plaît, il y a un peu de silence pour écouter. S'il vous plaît. Alors, j'étais dans le coup. Nous venons d'avoir à peu près 5 millions de morts.
5 tonnes. Si tout va bien, mais je crains, comme on parlait du fait qu'il n'y a pas de ministre, alors je préfère que demain matin, parce que la maman est en train de partir de la Banque centrale vers Jenny. Ok? Alors, non, les services sont bloqués pour préparer la tête. D'accord? Elle se fera à la fin. Ma boko banque. Donc, demain matin, d'accord? Avant, parce que la première est prévue, je crois, pour 11h, donc on peut commencer vers 12h. Bon, avec beaucoup de discipline, vous passerez à la culture, chacun prendra ce à quoi il a droit. D'accord? C'est la session extraordinaire. Ça sera les émoluments et les compléments. Très bien compris. Les émoluments et les compléments. Chacun aura ce dont il a droit. Et les enseignants, et les militaires, et les ménages congolais, et les entreprises congolaises, et les enfants.